sera une année de développement, de lutte contre la pauvreté, une année d'action. En tout cas, c'est le moins que l'on puisse dire du discours du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, lors de l'État de la Nation qu'il a pu faire vendredi à Kinshasa, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Félix Tshisekedi a ramassé presque toutes les questions qui concernent la RDC, ainsi que les projections qu'il a pu projeter dans l'avenir pour le pays. Les réactions n'ont pas tardé, une litanie de promesses irréalisables, selon justement certains députés de l'opposition qui ont été interrogés au terme de cet état de la nation. On va revenir en quelque sorte sur le contour de cette adresse du chef de l'État. Et bien, si on aura sûrement le temps, dans la queue du magazine, on va revenir sur comment faire face à la situation sécuritaire dans la ville de Lubumbashi, avec l'insécurité qui est devenue grandissante. Comment faire face à cette question? On en parle avec trois invités qui sont avec nous sur ce plateau. L'OPPRD, c'est avec M. Yann Oumba. Bienvenue. Merci et mes salutations à tous les regardants de la RTV. Bien, merci à vous d'être venus dans ce magazine. Le Cash, pour ne pas parler de l'UDPS, est avec nous. C'est par l'entremise de Mme Catherine Kanchama. Elle est déjà habituée de ce magazine. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. L'opposition, c'est notre habitué, M. John Kumimba, qui nous fait également l'honneur d'être avec nous, comme les autres invités, bien entendu. Merci d'être avec nous. Bonsoir, M. José. Bonsoir à mes deux co-débatteurs. Les autres, je m'imagine, vont toujours en compagnie, sont toujours à côté. Et bonsoir à la population congolaise qui nous suit à Saint-Étienne. Voilà, on va tout de suite débuter ce magazine. Comme nous le disions, l'année 2000 aura eu une année d'action, une année de lutte contre la pauvreté. C'est ce qu'a dit en gros le président de la République, Félix Tshisekedi. Je vous propose l'extrait de son discours qui sera justement suivi de quelques avis et considérations et on se retrouve tous les après. Alors, M. Kumimba, pour poser les jalons ou les bases de ce magazine, quelle est à première vue la constatation que vous avez faite ou l'analyse que vous pouvez faire de ce discours du chef de l'État, son premier, devant les deux chambres réunies en congrès? Je vous dis que du côté de l'opposition, nous avons été déçus quand nous avons suivi les discours de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Étant donné que c'est son premier discours, nous nous attendions à un discours convaincant. Mais curieusement, nous nous sommes retrouvés devant un discours sans squelette, M. José. Il y avait quelques chapelets. Une partie là avait les chapelets de bonnes intentions. De bonnes intentions de sa part. Mais en gros, c'est un discours sans squelette. Je peux, d'une manière lapidaire, vous brosser quelques points qu'il a pu toucher. Je prends l'exemple. D'une manière ramassée, on va revenir. Quand il parle de la SNCC, il dit qu'il va moderniser la SNCC pour faciliter la mobilité des personnes et des marchandises. Et je me demande, à ce niveau, un discours, quelque chose qui n'a pas de précision, qui n'est pas chronométré dans le temps, on ne sait pas quand est-ce qu'il le fera, et de quelle manière, c'est quel genre de modernisation, puisque nous avons déjà entendu parler de modernisation, et que nous avions appelé de M. Kabila, que c'était la médiocrité. Qu'est-ce que M. Kabila a fait dans ce quand discours? Il avait parlé de... Non, il n'y a pas longtemps, en 2011, il a dit, il est passé de 5, je ne sais pas si c'est 5 ou quoi, si c'est chantier ou 5 quoi, et à la modernité, soi-disant, je ne sais pas, 5 chantiers à la modernisation. Quoi. C'est quel genre de modernisation? Vous voyez quelque chose qui n'est pas concise, qui n'est pas précise et qui n'est pas chronométrée. Et de quelle manière, d'emblée, je vais moderniser la SNCC? De quelle manière? Il fallait qu'il explique de la manière dont tu vas moderniser la SNCC. En plus de cela, quand il vous parle qu'il va réduire la pauvreté, mais au contraire, je vais dire, c'est lui qui va plus accentuer la pauvreté. On va entrer dans le fond tout à l'heure. C'est d'une manière ramassée, voilà. C'est un discours sans squelette. Voilà. J'ai été complètement déçu. Du côté de l'opposition, nous sommes complètement déçus par ce discours. Voilà. Madame Catherine, vous êtes. Il a raté l'histoire. Voilà. De l'UDPS.
Le co-débatteur parle d'une histoire ratée, un discours de chapelet de bonnes intentions, mais il semble être irréalisable au regard de tout ce qui a été dit vendredi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Vraiment, vous avez bien suivi ce qu'il a dit. D'abord, ce qu'il a dit n'a même pas de fondement. Il n'a même pas su comprendre sur quoi était le discours. Allez-y. Je peux juste faire un bref aperçu. Il a commencé avec la jeunesse. Il a dit qu'il va susciter la promotion de la jeunesse sur le plan social et créer des petites entreprises pour aider la jeunesse à se retrouver. Il a continué pour parler de la représentativité de la femme dans les institutions de l'État comparativement à ce que nous avons vécu avant. Nous sommes allés jusqu'à 18%, là où nous avons trouvé une assemblée nationale qui est dirigée par une femme. Et pour la première fois encore dans notre République, nous avons pu trouver une dame comme vice-premier ministre. Il a loué quand même la présence de la femme. Il a même dit que c'est peut-être même une bénédiction puisque nous avons vu que la présence de la femme a amené beaucoup de changements au niveau de l'Assemblée. Il est allé pour nous parler de les barrières alors que le président était en train de faire un effort pour limiter les tracasseries sur la route, sur les routes des dessertes agricoles et les routes nationales, les routes d'intérêt national. Nous avons vu qu'après, les gens sont rentrés encore pour implanter... Ce ne sont pas simplement des promesses ou des faits qu'ils relèvent, mais moi, ils ne sont pas corrigés en quelque sorte sur le terrain. Je trouve que ce sont des faits qui relèvent. Et sur ce point-là, je voulais aussi vous rafraîchir la mémoire pour vous dire qu'il a même intimé l'ordre d'enlever toutes les barrières sans délai. Il a parlé de la promotion, comme on a parlé de, je vous le dis toujours, le peuple d'abord. Il se bat sur le social de la population. Il a dit que pour le moment, nous voulons faire de l'agriculture priorité des priorités et mettre l'agriculture au-dessus de mine, puisque nous savons que si nous avons un budget, 80% viennent de mine que nous avons sur notre pays. Mais il a dit qu'il veut maintenant que l'agriculture puisse primer et changer la vie sociale de tout un peuple. Wow. Il a parlé de l'infrastructure, il a parlé de la diplomatie gagnant-gagnant, il a parlé de la nomination des ambassadeurs, de nouveaux ambassadeurs. Justement, il a parlé de soutien de la justice, il a dit qu'il faut qu'on puisse bien sécuriser la justice. Bon, tu vois, tu es en train de limiter, puisque je vais te dire qu'il a dit de grands points. On va essayer d'entrer au fond. De l'autre côté, on a dit que non, il n'y a pas de précision. Si quelqu'un vous dit que il veut moderniser. Tu vas lui demander, tu vas moderniser comment? Attends voir, nous ne sommes qu'au début. Le président n'a pas encore une année, il n'a que quelques mois. Alors vous avez 4 ans, là où il va vous surprendre. Et jusque-là, il y a beaucoup, il a beaucoup réalisé. Dans les 10 mois, il a beaucoup. Madame, je vais tout à l'heure, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Alors, monsieur Yann, quel est le décor que vous plantez en termes d'introduction par rapport à ce discours du chef de l'État? Merci de la parole. En termes d'introduction, je suis désagréablement surpris par les propos de mon co-débatteur de ma droite, donc de votre droite aussi, donc de l'opposition. Qui se déclare d'abord de l'opposition. Je rappelle ici qu'il est de quelle obédience pourrait être de l'opposition. Nous n'avons pas d'opposition. Qui me dit son leader. Il est catumiste. Qui me dit son leader, je lui donnerai les quatre vérités. C'est Katumbi. Merci. Je vous le Katumbi n'est pas de l'opposition. Ça veut dire quoi? Je vous le rappelle qu'il est en train de jouer au faux. Les débats, ça peut être un autre débat. Je vais résumer. C'est une parenthèse, 30 secondes. Pourquoi Voilà, Katumbi, c'est un faux. Il s'oppose à qui ou à quoi, à quel régime? Parce qu'il est en train de soutenir le président Félix Tshisekedi. De quelle opposition est-il? Qu'on arrête de mentir à la population. Katumbi n'est pas opposant. Katumbi est seulement en mal de positionnement. Il est en train de chercher à repositionner ses business. Voilà. Vous avez ouvert la parenthèse. Voilà. Je peux encore la refermer quand même. Voilà, donc Katumbi, c'est quelqu'un qui a un mal de positionnement en panne de marketing. Il veut recourir à la politique comme stratégie de marketing pour les business.
Je reviens au discours. L'homme qui vous fait peur. Contrairement à mes deux co-débatteurs, moi je vais tridimensionnaliser les discours du chef de l'État. Allez, vous avez trois. La première dimension, je prends la forme. Sur le plan forme, j'ai trouvé que l'armature n'était pas respectée parce que le président, tout ce qu'il a dit, pouvait le dire dans moins de temps qu'autant de temps qu'il a pu prendre. Il pouvait présenter donc, ça, pouvait, par exemple, dans synthétiser. Il pouvait synthétiser. Allez, il est allé très loin pour rien parce qu'il y a des choses, il y a eu des redits et des redits. Alors qu'il pouvait bien résumer son discours. Et puis, au lieu que nous fassions 2h30 à la télé, on pouvait faire une heure en train de suivre l'adresse du chef de l'État à la nation. La deuxième dimension, donc, c'est les fonds. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je parle de ce qui est correct et droit. Allez-y. Je prends les fonds. Dans les fonds, le président de la République a essayé de tout brosser. En tout cas, il a essayé de tout brosser. Mais c'est le mais contraire quand même, que votre collaborateur, qu'on est en train de dire. Oui, mais il est libre d'avancer des élucubrations sur un plateau de télévision. Il est très libre. Voilà, s'il a ses inepties, bon, il doit les défendre. Alors, il a parlé presque de tout. Tous les plans, tous les points qu'il pouvait... Brossé, il a réussi avec à les faire des éloges dans votre autorité morale. Évidemment, c'est son prédécesseur, c'est l'unique président vivant que nous avons dans ces pays. Bon sang, encore faut-il savoir accepter et surtout accepter les mérites des uns et des autres. Mais est-ce que je peux bien analyser les discours parce que les téléspectateurs attendent de suivre des choses sérieuses et matures. Allez-y. Je prends les fonds. La première question que je veux bien analyser, c'est la politique étrangère. Le président de la République dit qu'il faut réfléchir sur la double nationalité. Voilà. Très bien. Une question le président de la République dit qu'on ne peut pas toucher à des dispositions intangibles de la Constitution. Très bien. Mais en disant qu'on ne peut pas toucher à des dispositions intangibles, il touche à la disposition intangible. Que dit la Constitution? C'est la loi fondamentale de notre pays et on doit débattre sur base de ça. La Constitution nous dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Donc la double nationalité ne peut pas être reconnue dans un système comme le nôtre. La Constitution nous dit qu'un Congolais, dès qu'il opte pour une autre nationalité, d'office, sa nationalité, il perd sa nationalité congolaise. Je ne vois pas comment on peut réfléchir sur ça. Voilà les aspects intangibles de la Constitution auxquels le président nous invite à ne pas toucher, mais déjà que dans son discours, il va y toucher. Là, je suis en train de parler pratiquement... du fond. Alors, toujours dans les fonds, j'ai trouvé les discours. Vous avez une minute sur le décor. J'ai trouvé, si je peux jouir aussi des mêmes privilèges que les autres, ça me fait 3 minutes. Alors, vous voulez simuler. J'ai trouvé les discours du président un peu populisme aussi. C'est-à-dire, il voulait bien plaire à la foule qui était là, il voulait bien plaire aux militants de l'UDPS qui étaient là. Oubliant ainsi qu'il est en train d'engager la République et la République est constituée des Congolais de toute obédience. Ce n'est pas seulement les PPRD, ce n'est pas seulement l'FCC, ce n'est pas seulement les CACH, ce n'est pas seulement l'FCC, ce n'est pas seulement l'UNC, c'est tous les Congolais et ceux qui ne s'intéressent pas à la question politique. Il s'adressait à tous ces gens-là, mais à un moment, quand vous essayez de lire son expression faciale, je suis expert en discours et communication, comprenez que sa communication faciale tournait plutôt vers les militants de l'UDPS qui étaient au balcon. Il est tout le temps, il voulait les plaire, il voulait qu'on puisse l'applaudir. Il est tombé un peu dans les populismes alors qu'il était en train de dire des choses sur le plus matures et des choses. On revient à vous tout à l'heure sur le décor, Monsieur Koumimba. Votre co-débatteur Yann évoque notamment des questions de fond, notamment sur cette question des double nationalités. Le président a appelé à ce que l'on réfléchisse là-dessus. Là n'est pas simplement un problème. Je voudrais parler également de ses voeux qu'il a de lutter contre la pauvreté, de mener la lutte contre la pauvreté et de faire en sorte que le pays puisse se développer. Et pour y arriver, il place en priorité la lutte contre la corruption. Comment? Où est-ce que c'est possible? Je dois revenir en arrière. Et c'est pourquoi je comprends pourquoi nos amis du FCC n'ont jamais compris. Et apparemment même la Constitution, ils la lisent à travers. C'est pourquoi ils étaient en train de tripatuer notre Constitution. Qui vous dit que la question de la double nationalité est parmi les articles intangibles? Mais je ne sais pas, vous lisez la Constitution la nuit ou bien où? Ce n'est pas parmi les articles intangibles. Quand Tshisekedi dit qu'on ne peut pas toucher aux articles intangibles, il y en a.
Mais par rapport à la Constitution est intangible. Toute la Constitution est intangible. Mais ça ne va pas dans le juridisme, on reste dans le fait politique. C'est pas correct, s'il vous plaît. Tu sais que dans le Talmud, il y a des articles intangibles. Il y a des articles qu'on peut à tout moment réviser. Quand vous avez révisé dernièrement la Constitution par rapport au mandat présidentiel, pour, par rapport au détour, là, ce n'était pas intangible. Pour vous, c'était intangible. Mais non, il y a des articles qu'on peut viser à tout moment. C'est ça la lecture erronée de la Constitution quand on va lire la Constitution Kakingakati. C'est pourquoi vous vous retrouvez, vous prenez, vous considérez que tous les articles sont intangibles. Mais non, la Constitution prévoit, il y a des articles qui sont intangibles. Là, de ce côté-là, Fatih a totalement raison. Si vous ne connaissez pas cela, vous devez avoir... Sur ma question, vous avez 3 minutes sur ma question. Revoir ce genre d'articles. Par rapport à la lutte contre la pauvreté, je me dis, non, quand je vous ai dit dans le décor, qu'au contraire, c'est lui qui va accentuer la pauvreté. Comment? Tenez, M. José, il vous dit que l'agriculture sera priorité des priorités, puisqu'on doit remplacer les mines. Mais dans son budget, l'agriculture a combien de pourcentages? Mais c'est insignifiant. Mais tu sais très bien que tu as aligné une somme insignifiante pour l'agriculture et tu tiens un discours pour dire que non, l'agriculture c'est la priorité des priorités. Mais c'est inconcevable. Ça, c'est quelle contradiction. Tu dis que tu vas diminuer la pauvreté. Mais je me demande, puisque s'il faut diminuer la pauvreté, il faut payer les gens décemment. Prenons le cas des enseignants. Et c'est là où même je me suis dit, apparemment, on lui avait transmis ce discours-là la nuit, et il n'y avait pas du courant, il n'a pas eu le temps de le lire avant, de se présenter devant le Congrès. Il dit, tenez, M. José, par rapport au NP, nous avons près de 168 000 NP. Sur les NP, nous avons les non-payés. Nous avons déjà pris en charge 34 540. Sur 168 000. Il reste combien? Et il a même le courage de dire que les restes des NP seront pris en charge dans le premier trimestre de 2020. Mais pendant ces temps-ci, il crève de faim. Pourtant, Monseigneur, en fait, le cardinal Mbongo, après juste l'état de la nation, il a donné l'interview Actualité Concilée où il dit c'est maintenant que cette question doit être résolue. C'est dans tout sens. D'attendre. Et il dit qu'ils doivent attendre le premier trimestre. Et pendant ces temps-ci, ils vivent comment, ils mangent comment, et ils vont enseigner comment? Ça, c'est ça la façon de tuer l'éducation. C'est pourquoi je me demande à quelle heure l'avait remis les discours, et surtout que la RDC est championne en délestage, peut-être n'avait pas de courant ces jours-là. D'accord. Prenez le cas de nouvelles unités qui enseignent, les enseignants. Et il est dit que non, ils seront pris en charge dans le deuxième trimestre de 2020. Et pendant ce temps, ils vont manger comment? Ils vont vivre comment? Monsieur José, vraiment, il faudrait qu'on y réfléchisse. Et je me demande comment il pouvait avoir ce courage-là de le dire. Nous avons besoin que cela trouve solution immédiatement. Parce que nous ne pouvons pas cautionner l'éducation de nos enfants. Même quand il dit que l'éducation doit être mise à la première place. Mais tout en ne payant pas les gens, et vous dites que vous allez placer Je vous redonne la parole tout à l'heure, M. Koumima. Non, madame, il y a plusieurs, je vous dis, il y a plusieurs points que vous allez relever. Ça va. Vous allez revenir. Alors, madame Catherine, vous avez entendu... De questions soulevées par vos co-débatteurs, la question sur la nationalité, la corruption, et voilà, c'est NP, ces nouvelles unités au niveau de l'éducation, des questions qui sont soulevées aujourd'hui par rapport à ces discours. Que la Constitution peut être révisée. S'il y a des points que le président trouve qu'on peut toucher, comme on a parlé de la double nationalité. Il a dit, les gens peuvent quitter de là où ils sont et ils arrivent ici, on peut leur donner la nationalité congolaise, ils peuvent facilement se réintégrer. Nous avons vu, nous n'allons pas même aller très loin, nous allons parler de le fameux M. Katumbi. Il était là,
3 ans en dehors de ce pays. Il ne savait par quel miracle entrer dans ce beau pays. Il est arrivé à la frontière là. Il a perché comme le Moïse de la Bible, comme on le dit toujours. Il n'a pas su entrer. Comme nous avons un président responsable, il a quand même vu que non, essayons d'éviter tout ce qui peut distraire les objectifs primaires de notre population et harmoniser. C'est ainsi que aujourd'hui les gens peuvent même parler de Katumbi qui est rentré paisiblement au pays. Et en rentrant, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui a remercié. Et pour aller un peu plus loin, il a dit « Félix, c'est mon ami ». Là, vous régionnez en Égypte, M. Yann, qui dit que Katumbi... Je vous dis chaque fois que la Mouka, c'est une plateforme qui n'a pas de fondement, puisque et leurs leaders et la base, ils se contredisent chaque jour. On parle de Katumbi, comme il a invoqué, il a invoqué double nationalité. On prend cet exemple-là. Nous savons que Katumbi a une double nationalité. Selon vous, selon ce qui avait été dit. Vous le savez, selon ce qui a été dit, qu'il a une double nationalité. Et s'il n'a pas su entrer, c'est puisque nous avons vu des photos qui retenaient de lui en tant qu'Italien, en tant que Juif. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous le savez. Alors, il est rentré. C'est pour vous dire que ce n'est pas un problème qui peut vraiment déranger quelqu'un. Nous allons parler du problème. On a parlé de l'enseignement. L'enseignement, il y a peu, il a dit que je ne vois pas de gratuité. Aujourd'hui, il reconnaît cette gratuité, il commence à parler de paiement des enseignants. Il y a des enseignants, le Congo est un pays organisé. Il y a eu des enseignants qui ont été reconnus officiellement par l'État congolais. On a soumis un autre problème, on a dit il y a d'autres enseignants qui ne sont pas mécanisés. Vous n'allez pas demander que cela se fasse comme un coup de bâton, d'une manière magique. Oui, il y a une information qui a été donnée. Le président doit étudier cette information et prendre les dispositions pour arriver à satisfaire ces gens-là tués par des familles. L'enfant vient te soumettre un problème. C'est pas qu'à la même minute, tu trouves des solutions. On te soumet le problème, tu prends le temps d'y réfléchir et voir comment est-ce que tu vas donner une solution qui sera vraiment durable pour ce problème. Donc, qu'est-ce qui nous étonne? Nous savons, nous sommes tous d'accord que le président de la République, à la personne... Qu'est-ce que ça ne vous gêne pas? Laissez-moi parler. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous étiez en train de parler, je ne vous ai pas interrompu. Pourquoi vous n'avez pas eu ces idées quand vous parliez? Il fallait avoir d'abord ces idées avant de parler au lieu de parloter. Mais je vous dis avec précision, c'est vous qui étiez ici en train de dire qu'ils ne sont pas payés, mais je te rassure que même dans son discours, il te dit que les enseignants qui sont payés n'ont pas des arriérés. Je suis convaincu que c'est un homme de parole quand il dit, il a dit, ne lui demandez pas de faire ce que vous voulez. Aujourd'hui même, tu te réveilles, tu dis, il faut qu'il fasse ça. Non, notre président, c'est pas quand même une marionnette. C'est un homme d'État. Il doit être conséquent avec ce qu'il est en train de dire. Il ne peut pas, pour te satisfaire, toi, il sait qu'on doit lui amener les listes, il doit étudier, est-ce que ces listes-là sont conformes ou pas, est-ce que ces gens-là sont encore en vie ou pas, tout cela, ça doit être... Oh là, moi, je me demande vraiment comment est-ce que les gens, ils sont en train de traiter, même qu'on parle d'un débat politique, on ne peut pas parler d'un débat politique avec autant de bassesse que ça. Voilà. Même en tant que responsable d'une institution, on ne peut pas en un jour, on vient, on te dit, nous avons un problème et tu résous, on te dit, tu dois résoudre à l'immédiat, à l'immédiat sans délai. Mais ça vraiment, non. Même en France, là où nous avons eu les gilets jaunes, il y a eu des temps pour trouver des solutions. Ah là là, c'est pas possible. Alors, il y a la question sur la corruption qui a été également évoquée. Dans la stature actuelle des institutions de la République, est-ce qu'il y a lieu d'envisager une lutte acharnée contre la corruption aujourd'hui? Bon, avant de m'approfondir
sur la question. Je vais revenir quand même au propos de M. Koumouimba. M. Koumouimba, mon co-débatteur, il est en train d'embruer les débats. Même quand madame parlait, vous sentez qu'il veut vraiment embruer les débats. Tout ça pour que les téléspectateurs ne puissent pas suivre la vérité de la République. Je lui demande de calmer ses émotions, de ne pas trembler. Il dit que Katoumbi peut nous faire nous peur. Non, on a suivi votre tournée. Quel était votre discours? Au moins maintenant, nous sommes sur un plateau de télévision pour discuter sur les discours d'un homme d'État. Mais eux n'ont pas eu de discours. C'était juste une mise en garde pour qu'ils puissent nous laisser parler. Alors, par rapport à la corruption, c'est une très bonne intention de la part du président de la République. Je reviens sur un point. Vous savez, les budgets, quand on parle de budget, ce n'est pas les physiques, ce n'est pas les matériels, ce n'est pas que c'est de l'argent qu'on a, mais c'est de l'argent que les régies financières doivent donner à l'État congolais. Mais pour atteindre ces budgets-là, il faut verrouiller tous les circuits de corruption. Et vous savez que nous sommes parmi les pays où les taux de corruption est d'une croissance inexplicable. Et aujourd'hui, quand le président vous dit « nous allons combattre la corruption », mais vous êtes là, nous sommes de l'opposition, ça ce n'est pas bon, on ne doit pas combattre la corruption. Voilà les gens de l'opposition qu'ils veulent amener. Ça devient un autre débat. Voilà. Je ne suis pas là pour parler de ça. De toute façon, moi-même, je n'ai jamais été pour la rétro-commission. Mais je veux que les questions que vous nous posez soient bien cernées. Quand vous posez une question, monsieur le journaliste, veillez à ce que celui qui doit répondre, qu'il réponde à la question. Vous voulez quoi, M. Koumouimba, évite ta question, c'est ça? Il est en train d'éviter une question. Déjà dans l'entame, vous posez une autre question, il revient sur le président Joseph Kabila. Vous posez une autre question, il revient sur Katoumbi. Vous posez une question, mais non, il faut, les gens qui nous suivent, ils ont besoin de suivre les sujets selon l'actualité. Il a parlé de Katoumbi. Oui. C'est tout au contraire. Voilà, il oublie, à peine qu'il vient de le dire, il oublie. Il a des coups de mémoire, je comprends les genres de débats qu'il y a du côté de l'opposition. Revenons sur le discours du président de la République. Vous allez parler de ça, revenons sur le discours du président de la République. Allez-y. Moi plutôt j'ai trouvé qu'il y a une petite inadéquation entre les promesses et les budgets. Voilà. Il y a quand même une inadéquation et ça nous devons le dire sans froid aux yeux. Je ne parle pas de beaucoup de promesses, je parle du budget et des promesses. Voilà. Pas qu'il y en a beaucoup. Quand le président de la République parle de l'agriculture comme une priorité, il oublie que le budget de l'agriculture a régressé. Quand il parle de la formation des militaires, il oublie plutôt que le budget de l'armée a régressé. Vous voyez un peu. C'est-à-dire il y a quelque part où les budgets, il y a quelque part où les budgets a bougé, mais le président promeut seulement ces secteurs-là, comme si les budgets étaient les mêmes. Et moi, je crains cette inadéquation entre les promesses et les budgets. Parlant infrastructure et dans les discours du président de la République, vous savez, il y a un point que je voulais bien soulever. Le président a bien parlé, il a bien et beau parlé, mais il n'a pas rencontré les vraies préoccupations de la population. Qu'est-ce qu'il devait dire, selon vous? La population, ici, est-ce que vous savez comment nous parlons? À Mbujima, il y a un seau de farine de maïs pour 17 000. Mais la population attendait à ce que le président lui dise « Bungawa Kobukodje, comment est le panier de la ménagère ?» C'est ça que le peuple attend, les jeunes n'attendent pas qu'on leur dise « Non, écoutez, il y aura des entrepreneurs, mais non, l'entrepreneuriat ce n'est pas une science, ça ne s'apprend pas, les entrepreneurs sont là, c'est peut-être question de les accompagner, de les encourager. » On a besoin que le président nous dise « Grâce à mes voyages, voici que j'ai ramené au pays autant d'investisseurs. » Et la jeunesse peut se retrouver. Des promesses, je le disais hier, ce genre de discours, on en a beau entendu. Des charpées d'intentions, on en a beau intentions. Pour l'instant, il faut passer à l'acte. Voilà. Le président, prenons le cas de Kinshasa, sur le plan infrastructure. Le président, en commençant avec les autres moutons, il avait dit non, mais je vous en offrirai en cadeau. Lors des fêtes de Noël. Mais nous sommes à combien de jours? Combien des autres moutons sont déjà prêts? Vous voyez? C'est-à-dire, des promesses comme ça. Il y en a, et puis au souverain primaire, on vient toujours, on dit, mais non, écoutez, on va faire ça pour vous, et puis après on ne fait pas. Est-ce qu'on ne peut pas tenir un discours beaucoup plus réaliste? Dire à la population, par exemple, hier vous étiez en train de mourir de faim, hier vous n'avez pas la farine, hier vous n'avez pas du boulot, voici ce que je viens de faire aujourd'hui. Comme un peu mon président Joseph Kabila Kabange l'avait fait. Hier on ne savait pas arriver à Kolwezi, aujourd'hui on arrive à Kolwezi assez facilement. Hier le pays était saucissonné, aujourd'hui le pays est unifié. Hier le pays n'avait pas d'institution, aujourd'hui il a d'autres pays d'institution. Hier dans ce pays il n'y avait pas d'élection, aujourd'hui dans ce pays il y a d'élection. Hier on ne connaissait pas des Katoumbi en politique.
Aujourd'hui, si bien qu'ils ont un problème avec Katumbi, ils sont là parce que c'est un faux. Un débat assez réaliste comme ça, parce que nous avons un bilan aujourd'hui à défendre. Et à l'issue du quinquennat du président Tshisekedi, il aura un bilan à défendre de son quinquennat, qu'il soit beaucoup plus réaliste. Alors, M. John Kumumba parle justement de cette lutte acharnée de la corruption. Selon le député Daniel Safou, qui est derrière de votre camp, il dit qu'il s'agit justement d'une litanie de bonnes intentions, mais qui sont irréalisables. Alors qu'Olivier Kamitatou, sur son compte Twitter, qui est d'ailleurs un cartooniste comme vous, lui dit que le président est bétonné par son allié qui est Joseph Kabila. Et tout ce qu'il a dit, ça risque de ne pas arriver. Certainement, avant d'y arriver, je dis d'abord félicitations aux débatteurs. Chaque fois, Katumbi est en train de tourner dans son cerveau, étant donné que c'est une très grande machine. Vraiment, félicitations de faire la publicité de Katumbi. Par rapport à tout cela, d'ailleurs, je voulais revenir sur la corruption. Pour moi, je m'attendais de Fadji dire solennellement qu'au moment où je vous parle, les enquêtes ont bien évolué. Ceux qui ont détourné les 15 millions de dollars dans ma case ont été déjà arrêtés. Mais je ne comprends pas. S'il veut lutter contre la corruption, le népotisme, le détournement, le blanchiment d'argent et tout ça, des capitaux. Mais là où tu es, il y a ceux-là qui ont détourné 15 millions. Et jusque-là, là, il faut... Et là, il faut couvrir parce que ce sont les miens. Mais les autres vous poseront la même question. Qu'aviez-vous fait des gens de ta famille quand ils avaient détourné? Là, comment ils peuvent lutter contre la corruption? Je vous dis, même quand il insiste, il dit, je prends un autre point, c'est la santé. Santé pour tous. Mais avec quel moyen? Mais il a diminué sensiblement le budget de la santé. Finalement, si tous les secteurs ont été diminués, l'argent a été orienté vers... Moi, je m'attendais de Fatih dire ceci. Chers compatriotes, vous, NP, bien qu'il y a une confusion au côté de l'UDPS, que les NP ne sont pas mécanisés. Vous devez savoir, c'est une information, madame. Les NP, ce sont des gens qui sont mécanisés, mais qui ne sont pas payés. Les non-payés, ils sont mécanisés. La mécanisation, c'est quand tu obtiens, il y a l'arrêté, tu obtiens ton numéro matricule, là tu es mécanisé. Tu peux être mécanisé, mais tu n'es pas bancarisé. Si aujourd'hui vous dites qu'il n'était pas au courant, il fallait qu'on lui communique, il devrait étudier cas par cas. Il a l'effectif de tous les NP. Et en plus de cela, si il fallait qu'il étudie cas par cas. Donc c'est une, je vous dis, il gère d'une manière sélective. Soit, moi je peux conclure que les 300 et les 34 540 qu'on a payé sur les 168, ce sont les militaires de l'UDPS. Il a sélectionné seulement les militaires de l'UDPS. Une élection par rapport à ça. Tout le monde était déjà communiqué. Comment il va faire la science? Le problème, c'est dire ce qu'il a maîtrisé à la maison. Il y a la question qu'il a posée. Il doit d'abord être répondu. Quand je parle, je reviens à votre question, monsieur José. Avant toute chose, Olivier Kamitatou parle d'un allié bétonné. Daniel, ça vous parle d'une litanie de promesses non réalisables? Certainement, je dis certainement. La main noire qui gêne Fatih à bien faire et à Kingakati. C'est pourquoi je me demande, même quand mon co-débatteur du MCC est en train de faire des éloges à Joseph Kabila. Mais tu as parlé au Kolwezi ou Kolwezi. Mais tu as oublié qu'il y avait plus de 500 forces communes à Kinshasa, à Maluku. Ah, okay. Tu as oublié comment Kamwina Nsapu.
tu as oublié, ce sont ces éloges que tu devrais, ce sont des mérites de M. Kabila, il fallait les dire devant la télé. Vous n'avez jamais eu des félicitations. Une réaction à chaud. Non, aujourd'hui, non, non, juste une réaction à chaud. Merci, M. Kabila. Merci, M. Kabila. Merci, M. Kabila. Vous achevez vous de parler. Vous avez commis, excusez-moi, M. Kabila, pour avoir martyrisé les Kassai. On ne peut pas commencer aux gens comme ça, démentir la population de quelqu'un qu'ils maîtrisent pas. Pour avoir non, arrêtez, non, arrêtez, messieurs les journalistes, madame va prendre messieurs, messieurs les journalistes, vous avez une on ne peut pas venir sur un plateau de télévision pour vendre ses insuffisances. Il est en train de vendre ses insuffisances pour rien. Les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, ils ont besoin d'un débat mature. On a dit non, il y a des fausses communes. Non, le président Kabila a tué, ainsi de suite. Aujourd'hui, à Beni, on est en train de tuer. Est-ce que c'est le président Tshisekedi qui tue? Aujourd'hui, on est en train. Il y a des milices à gauche, à droite qui sont en train de tuer. Est-ce qu'on dira que le président Tshisekedi. La milice est en train de tuer. Permettez-nous de voir lui, s'il vous plaît. Laissez-moi dire la vérité au peuple. Vous allez en tant que parole, s'il vous plaît. Population. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-nous dire la vérité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Koumimba, vous avez une minute, je donne la parole à madame. Je lui demanderai de lever le débat et de dire la vérité. La vérité est cela. Vous avez une minute, s'il vous plaît. On a martyrisé le Kassai, il y a plusieurs forces communes, l'opposition était misélée, il n'y avait pas liberté d'expression, il n'y avait pas liberté de manifestation, il y avait des doublements des partis politiques. Ça, c'est ça le bilan positif de M. Joseph Kabila que tu es en train. Il fallait louer ce genre d'acte, tout ce qu'il a fait là. Il fallait voir. On se réveille, demain matin, je vous dis présentement, la RDC a combien de généraux? On prend un temporal qui devient un général. Mais ce n'est pas possible. On envoie un général des généraux qui n'avaient même pas appris une tactique de guerre. On les envoie quelque part. C'est ça le mérite de Kabila. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez peur que la population puisse savoir tout ce que M. Kabila voilà. Fait. Alors, madame Catherine, nous regardons le discours du chef de l'État parce que c'est de cela qu'on parle. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que toutes ces promesses puissent être réalisables? On va peut-être chuter par cette question qu'on va faire à la ronde. J'ai un mot sur... Allez-y, c'est dans votre droit. Leur petite dispute. Voilà. Nous savons tous. Il y a des débats qui n'ont même pas raison d'être. Quel Congolais ne sait pas que le pays a été mal géré pendant 18 ans? Donc, on ne doit pas revenir pour dire ceci, cela. La plupart des gens qui sont en train de nous suivre ont suivi tous ces habits. Ils ont vécu ça. Donc, ce n'est pas ça le principal. Nous sommes dans les discours du chef de l'État. Allez. Nous devons montrer que le chef de l'État a dit quelque chose qui avait vraiment de l'impact sur notre pays. Quand on est en train de nous dire que non, le chef de l'État, il ne va pas réaliser, comment est-ce qu'on peut parler de l'irréalisme au moment où nous sommes juste au début de son mandat? Et même au début... Il y a des questions entre le budget et les promesses. Je suis en train d'évoluer. Allez-y. Au début même, dans une année, nous avons remarqué des réalisations qui sont palpables. On ne va pas seulement dire, oh non, il a dit, il a parlé de la route Kinshasa-Boma. C'est déjà opérationnel. Nous avons parlé des petites routes qu'on a eu à aménager, des ponts qu'on a eu à remettre. Donc, il y a beaucoup d'histoires qu'il a. Le Kanchachi, qui est devenu un petit paradis pour Kinshasa. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Je sais qu'il y a un peu qu'on a fait un débat là-dessus, je ne vais pas revenir. Oui. Mais dire qu'il ne va pas réaliser tout cela. Donc, pour y arriver, c'est là même que, si vous suivez son discours, il avait dit que le peuple congolais a beaucoup parlé sur le 10 milliards. Hein, le 10 milliards qu'on a pris comme... C'est encore insignifiant. Oui, voilà. Lui, il a dit que les 10 milliards, c'est pour moi, en tant que président, c'est vraiment insignifiant. Il fallait qu'on aille au-delà. Mais regardez, le peuple congolais a en lui l'esprit de pauvreté. Il n'est pas ouvert, il ne peut pas croire. Pourquoi? C'est normal, puisque le pays est resté mal géré pendant plus d'une vingtaine d'années et la population a vu que c'était une situation qui était presque normale d'être mal gérée, d'avoir vraiment un budget de 4 milliards de dollars. Mais quand lui doit parler de 10 milliards, tout le monde est stupéfait. Et alors, si on pourra dire qu'on a diminué des budgets par-ci, par-là, maintenant les 10 milliards là, donc les 6 milliards qu'on a ajoutés, on l'a gonflé où?
C'est pour vous dire que tout est bien. Si le budget a été doublé, le budget pouvait être de 10, on a doublé à 20. Et ça va prendre 6 milliards, puisque là, on a fait fois 2,5. Et tout cela, vous dites que le budget de la présidence a été doublé. Mais je te dirais que le budget de l'armée a été triplé, puisque le militaire qui pouvait toucher 70 dollars va toucher maintenant 235 dollars. Nous savons que le militaire qui touchait 70 dollars, aujourd'hui, il va vous toucher 235 dollars. Vous n'allez pas me dire que 235, c'est la diminution de salaire de professeurs et des enseignants. Et en toute chose, on a pu diminuer les salaires de députés pour avantager les autres. Il est en train de réduire l'écart entre le... Comme lui-même, il a même dit son salaire, il est à 15 000 dollars et le plus bas, c'est 200 et quelques mille dollars. Il prend beaucoup d'argent dans des voyages. Écoutez, soyez réalistes. Aujourd'hui, vous avez cette occasion de passer devant les caméras pour dire que le président a fait. Moi, je me dis, c'est une gloire pour nous, puisque dans le temps, vous n'aviez pas cette opportunité de vous exprimer librement. Aujourd'hui, tu peux passer ici, tu parles de fatigue comme ton ami là, mais dans le temps, tu ne pouvais même pas te présenter ici et parler du président et autres là. Je suis en train de continuer. Pour le moment, vous avez cette capacité de parler du président Fatshi comme si tu parlais de ton ami, comme si tu parlais de ton petit frère. C'est puisqu'il a instauré un état des droits. Et si les gens peuvent dire que non, le président ne va pas réaliser, moi je me souviens de la dernière phrase que notre président a dit. Il a dit, fais de l'éternel tes délices, il accomplira tous tes désirs. Voilà. Nous avons un président chrétien qui va accomplir ce qu'il a dit. Voilà, c'est compris. Alors, monsieur Yadino, une réaction, qu'est-ce qu'il faut pour que c'est... Bon, s'il vous plaît, je vous allais parler. Qu'est-ce qu'il faut pour que toutes ces promesses puissent se réaliser? Et dans les 3 minutes, vous faites également votre conclusion. On est à la fin de ce magazine. Il faut qu'il y ait des études techniques avant que le président ne se prononce. Voyez la question qu'il ne les met pas d'accord tous deux sur la gratuité de l'enseignement, qui est une disposition constitutionnelle que nous, à notre époque, nous n'avons pas voulu lancer brusquement parce qu'il fallait mobiliser les fonds. Aujourd'hui, il y a ces problèmes. On parle des non-payés, on parle de ceux qui sont payés, on oublie la régression des salaires de certains enseignants. Il y a de ces enseignants dans des écoles conventionnées, par exemple, qui avaient 700 dollars. Après, on doit leur donner 250 dollars. Il y a régression. Pourtant, dans une entreprise, quand les salaires régressent, c'est la démotivation. Ce sont des faiblesses. Je rappelle à mon allié, madame, que quand on parle de budget, même si vous allez à 50 000, c'est une prévision. C'est-à-dire, vous pouvez ou ne pas atteindre les 10 milliards de dollars. Ce n'est qu'une prévision, madame. Ne vous en prévalez pas autant, parce que c'est possible que les techniciens, Ilunga Ilunkamba, ne puissent pas atteindre les budgets proposés. C'est très possible. Comme il peut atteindre, c'est très possible. On nous dit ici que non, mais le président, on sait qu'il est payé 15 millions ou 15 000 ou quoi que ce soit. Mais non, il n'y a pas de problème. Le président a combien d'émissions? J'ai beaucoup aimé quand il le disait en blaguant. Il dit, mais j'ai encore d'autres voyages à effectuer. Madame, en politique, quand vous voyagez, il y a ce qu'on appelle des frais d'émission. Et les frais d'émission ne dépendent pas de votre salaire. Les frais d'émission... Tu n'es pas en train de parler de frais d'émission, c'est normal. Même quand toi, tu voyages, même si tu n'es pas président de la République, tu auras des frais d'émission. Ici, on ne parle pas de frais d'émission. Vous êtes hors débat. Vous êtes hors débat. On parle des salaires. Est-ce que tu as arrêté d'embrouiller les téléspectateurs qui suivent les idées? Concluez. Alors, pour que le président puisse matérialiser ses bonnes intentions, il faut que tous les Congolais puissent l'accompagner. Tout Congolais doit l'accompagner. Au Congo, il nous faut de l'éducation civique. Il faut celui qui arrive quelque part, qui corrompt pour avoir un document alors que c'est son droit, arrête de faire ça. Le président de la République a besoin de l'accompagnement de tous les Congolais. Il est président de tous les Congolais. Il ne faudrait pas qu'on soit comme si on est en train de l'observer pour voir où est-ce qu'il est en train d'aller avec ses Congos. Non, c'est notre avenir qu'il est en train de diriger et nous devons l'accompagner. Même M. Kumwimba doit accompagner le président de la République. Là où il corrompt, il doit arrêter de corrompre. Là où il se comporte en incivique, il doit se comporter en civique
pour qu'on ait un Congo fort, beau, prospère, uni. Alors, votre conclusion, M. Koumimba? Du discours du président de la République, moi je m'attendais à ce qu'il nous dise qu'il va diminuer le train de vie des institutions de la République. On ne peut pas comprendre que les budgets pour le fonctionnement des institutions soient doublés. Là, je m'inscris, vraiment je ne suis pas d'accord avec lui. Il devrait diminuer le train de vie. Même si aujourd'hui, il doit aussi diminuer les voyages. Vous savez, une personne n'est pas du tout mauvaise sur tous les plans. Là, je m'en vais aussi saluer Joseph Kabila. Kabila avait dans son cabinet la présidence près de 437 membres. Mais Fatih est arrivé, il a plus de 747, plus 25 conseillers spéciaux. C'est ça le pourquoi. Voyez comment le budget a doublé. Au contraire, c'était à lui de tout faire pour diminuer sensiblement les dépenses. Comment on peut reconnaître les magistrats de Kabila? Pour que l'argent... S'il vous plaît, c'est un progrès. Il y a très des progrès. Je dois vous dire qu'une personne n'est pas mauvaise sur tous les plans. Là, je le dis. C'est un progrès. Concluez, s'il vous plaît. Je me dis, là, c'est inconcevable. On ne peut pas accepter cela. On doit diminuer les trains de vie. On doit ajouter, on doit augmenter le budget de la défense. On doit augmenter le budget de l'agriculture. On doit augmenter le budget de la santé. On doit augmenter le budget de l'enseignement, puisqu'il est divisé par deux. Le budget qui a été arrêté après leur atelier, je ne sais pas quoi, de 2,9 à 1,13. Là, c'était un conseil. Je me dis, avec tout ce que les discours de M. Fatih, moi j'étais complètement déçu, c'est la conclusion que j'ai faite. J'étais complètement déçu, c'est un discours sans squelette. Il a raté sa première sortie, tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse une bonne sortie, mais il a raté complètement et le peuple congolais ne doit pas attendre grand chose de ce que le gouvernement. Alors, madame Catherine, votre conclusion rapidement. Oui, comme je l'ai vu, je l'ai dit depuis le début, nous avons vu que notre président a tout épinglé, il a épinglé tout le point vraiment de notre pays. C'est, comme vous le savez, on a parlé du premier discours sur l'évaluation de l'État et nous avons vu que aucun point n'a été laissé. Et sur place ici, avec mes co-débatteurs, vous avez tous remarqué qu'il a pu épingler tout ce qui pouvait faire atteinte à notre pays. Et quand on parle de la corruption, comme il le dit toujours, il va faire de la corruption son cheval de bataille. Nous tous, nous sommes derrière les chefs de l'État. Et comme l'a dit le co-débatteur des FCC, nous devons le soutenir, puisqu'il est là pour notre bien. Au lieu que de critiquer sans objectivité, il faut soutenir le président afin que le Congo puisse ensemble réussir. Puisque nous avons vu un président qui est déterminé, un président qui donne le meilleur de lui-même, un président qui a porté beaucoup de changements sur tous les plans. Parce que nous avons vu que pas seulement sur le plan de démocratie, mais même la vie des citoyens a complètement changé. Nous avons un président qui s'occupe de cette population. Madame, parlant de voyage en conclusion, moi je trouve que comment est-ce que le voyage va mettre mal à l'aise les autres personnes, merci. Puisque le pays était coupé en diplomatie avec nos voisins et d'autres pays. Alors nous devons redorer l'image de ce pays. Quand bien même l'État congolais est souverain, l'Europe ne pouvait pas faire l'Union européenne, puisque la France est souveraine, puisque les Royaumes-Unis sont souverains. Mais nous sommes en train de vivre dans une situation de mondialisation. Nous devons en toutes circonstances être en connexion avec le monde extérieur pour que nous puissions évoluer. Donc sur ce point-là, moi je trouve que c'est important. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous avons eu l'honneur de recevoir M. Yann Oumba qui représente le PPRD, Mme Catherine Kachama de l'UDPS, Paris Cochet représente le CASH, et M. John Koumimba qui est de l'opposition katumbiste.